Cette compétition pas très évidente parce qu'on a eu beaucoup de brouillard ce matin, mais on va dire que ça m'a pas trop dérangé parce que j'ai fait un bon score, donc maintenant à voir demain. C'est très bien, hein. Ça a été un petit peu long à l'aéroport parce que voilà, il y avait beaucoup de bagages et tout ça, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Alors les objectifs, c'était effectivement de sortir une équipe qui était aguerrie avec un ensemble de tireurs qui sont relativement confirmés et qui sortaient notamment des Jeux Olympiques de Tokyo, avec des jeunes aussi. Donc on avait une équipe qui était composée de la moitié d'anciens confirmés et puis la moitié de jeunes. L'ambition, bien évidemment, c'est d'essayer de glaner le maximum de médailles. Ça, je pense que c'est comme tout l'ensemble des pays. Bon, au niveau de la queue, c'est assez exceptionnel. Puisqu'effectivement, là, l'accueil est très chaleureux, tout le monde est excessivement gentil, très prévenant, on est accompagné. Dès qu'il y a besoin de quelque chose, tout le monde essaie de nous aider dans la mesure du possible. Et ça, c'est fortement apprécié. Et effectivement, nous, en tant que Français aussi, on apprécie énormément. Ça, c'est top. Barakallahu fik, wa barakul shay, ihna farhanin na mojoudin fi Wahran. Maydan rimaya alami, mumtaz jiddan, ma naqas hat shay, mas'oulin, barakallahu wa mashallah, yani qaymin bwajibhom, khassatan ma'ana ahna twansa, ma mkhoulina naqsin hat shay. بالنسبة لي احنا رياضيا يعني ما جيناش نلعبوا على الميداليات، جينا بنشوفوا مستوانا فين بين الدول الأوروبية والعربية، اليوم نقاروا احنا عندنا بعض النقائص لازم نصلحوا ولازم نخدموا باش نخطوا على الركب الأوروبي. في القرية ولهنا في ستوند تير كان تنظيم رائع. الرومات كانت على أعلى مستوى، أبطال العالم موجودين، دونك كانت منافسة صعيبة 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 وكتجربة مليحة كما تقولوا أنتم.